Alors le 7e de l'année, eh bien ce championnat, il a marqué 472 points. Donc il n'y a rien de spécial là-dedans. Voilà, c'est écrit 7e du trophée 125, Poitou-Charente, 2009. Eh bien, je vais appeler Jérôme Denimo. Bon, eh bien, Jérôme n'est plus là. Allez, on commence déjà bien. Alors, enchaînons avec son suivant. Oula, c'est vrai que ça s'est joué serré, hein. 478 points, donc ça s'est joué à 6 points. Alors, le temps qu'Adrien trouve la récompense du sixième. Elle est organisée, hein. Bah, heureusement qu'on n'a pas fait ça après les 125, hein, comme il voulait le faire, parce que autrement... Ah, ça y est. Ce très beau trophée, il y a écrit 6e dessus, c'est très bien fait tout ça. Alors, 478 points, 6e, Adrien Dumas. Voilà, qui recommencera l'année prochaine, je suppose. Peut-être, on verra. Ah ben moi j'en suis à peu près certain. Mais si, mais si, mais si. Tu seras encore là en 2010. Alors, le top 5. Eh bien, le top 5, on va commencer par celui qui a fini champion l'année dernière. Voilà, 517 points, 5e de l'année, Sébastien Bertonneau. Alors, celui qui fait 4 de ce championnat et qui va bien entendu perdre, eh ben, tout simplement sa très belle plaque de numéro 3, 571 unités pour monsieur Damien Tillet. Et alors, nous arrivons maintenant sur le podium de cette année 2009. Troisième, malgré tous ces ennuis de cette journée, eh bien, 588 points pour monsieur Anthony Ferron. Et d'ailleurs, nous avons un podium là, nouveau hein, par rapport à l'année dernière, ça, voilà, tout simplement. Des garçons qui sont tout neufs et qui sont sur ce podium. Ça, ça fait drôlement plaisir. Le second de cette année, 663 points. Je l'ai dit, champion junior l'année dernière. Eh bien, Julien Villeneuve, vice-champion. En fait, vous avez des nouvelles de mon temps? Non, ni les uns ni les autres. Non. Et il a oublié les fleurs. Voyez, voyez, il en oublie tout le temps. Voilà pour Julien, voilà pour Anthony. Ben oui, mais ça c'est le podium, hein, je crois. Il y en a juste trois là. Et enfin, voilà. Aussi d'avoir assez de force pour le trouver. Voilà, ça c'est pour celui qui, eh bien, termine champion cette année 2009. 732 points. Il avait malheureusement, eh bien, marqué zéro l'année dernière. Eh bien, Tony Dupont, nouveau champion Ufolette 125 de cette année 2009. Voilà, à mettre dans l'eau, ça, assez urgent, à ne pas laisser traîner. Eh bien, voilà, le top 7.